Bon matin. On est. Encore, je suis en congé de corps, une vieille sauce. On dirait que je suis comme. Je comme plus la notion du temps. On est jeudi. Ouais, c'est ça. On est jeudi le 10 septembre. 9-10, en tout cas. Puis là, ben, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo pour vous faire un petit update. Je suis allée voir le médecin ce matin pour mes prises de sang. Je vous disais que ça me stressait beaucoup. Puis là, j'étais tellement contente, là, tout est beau. Pas de diabète, mon foie est beau, mes enzymes, mon foie, tout est correct. Cholestérol est beau, triglycérides, c'est beau. Dans le fond, ma vitamine B12, c'est correct, tout est beau. J'étais tellement contente, pas de cholestérol. Puis je suis comme surprise parce que me semble que rendu à mon âge, il y en a beaucoup qui en font. J'étais vraiment, vraiment contente. C'était vraiment un soulagement. C'est tout à stressant hein, quand on va là sur le docteur. Puis, imaginez-vous que là, 2 semaines environ, on a eu de la grosse visite à l'épicerie où je travaille. J'ai vu Guy Chaudouin. Je capotais. Je suis vraiment groupie. Vraiment, vraiment, vraiment. La veille, ben la journée même. Tu sais, je vais sur Facebook, je regarde toujours, en tout cas, c'est quoi qui se passe. Puis là, je vois que j'ai un de mes collègues de travail qui a passé la veillée avec Osiscoumin. Fait que là, je me dis, ce qu'il fait là, lui, poser avec des jours douins. Fait que là, là, le matin, je vais travailler. Là, j'ai dit, t'as vu Guy Jodouin? Fait que là, j'ai dit, t'es donc bien chanceux, puis il est fin quand même. Fait que là, tu sais, je me disais, peut-être va venir à l'épicerie aujourd'hui. J'ai dit, on sait jamais. Fait que là, sur l'heure du dîner, je vais en arrière, je quitte ma caisse. Là, il y en a une qui me dit, t'as-tu vu Guy Jodouin dans le magasin? Non, encore, il est ici. Fait que là, je me disais, j'étais contente. Fait que là, je m'en vais à ma caisse. Ça faisait comme un bout que j'étais là. Je me disais, il doit être parti. Tu sais, je l'ai manqué. Finalement, je le vois arriver. Il est tellement fin, là, tellement gentil. Puis il est grand, tu sais, je pensais pas qu'il était aussi grand. Fait que là, tu sais, je commence à jaser avec. Il était avec la grosse voix du tricheur. Puis une madame qui travaille aussi avec lui, une collègue de travail du tricheur aussi. Fait que là, j'ai demandé pour prendre une photo. Il m'a dit oui tout de suite. Il est vraiment, vraiment sympathique. Je vous le dis, là. Il est vraiment, vraiment gentil. J'étais contente. Puis là, nos poules. Fait que là, imaginez-vous qu'on est rendu avec 5 poules. Donc, cet hiver, on n'est pas vraiment organisé pour les installer. C'est-à-dire, c'est pour pas qu'il y ait froid, pour pas que l'eau germe, puis tout. Fait que là, on a finalement décidé de les donner en adoption. J'ai un ami qui va me les prendre. Dans le fond, chez lui, il y a 25 poules. Fait que 5 de plus ou 5 de moins, je pense pas que ça dérange. Il me dit oui tout de suite. Fait que c'est ça. On va en avoir d'autres le printemps prochain. On va mieux s'organiser. Puis c'est ça. Fait que ça va aller au printemps prochain. Puis là, on a reçu un cadeau d'une abonnée. Dans le fond, je ne sais pas si vous avez écouté la dernière vidéo que j'ai faite, on est allé porter des fleurs au cimetière pour elle. Elle nous avait demandé ça. Puis elle nous a envoyé un cadeau. J'étais contente. Là, je me disais, voyons donc, c'est bien trop. Elle nous a envoyé ceci. Bien, merci, des chocolats, merci. Puis, tu sais, quand j'ai reçu l'enveloppe, tu sais, je voyais que c'était un peu, fait que là, tu sais, je vois ça, merci, le chocolat merci, je la débouche. Fait que là, je trouvais ça, déjà ça bon, tu sais, qu'elle ait pensé à nous, tu sais, qu'elle nous a envoyé ça. Mais là, je regarde dans l'enveloppe, puis il y avait ceci, c'est marqué grand merci. Là, je ne montrerai pas la carte parce que c'est confidentiel, puis elle nous a envoyé ceci. Une carte cadeau de 50$ au Saint-Hubert. Puis en plus, je ne sais pas celle-ci, la madame, mais c'est notre resto préféré. Fait que madame, je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Si vous n'étiez pas obligée de nous envoyer un cadeau, ça nous a fait plaisir d'aller là. On sait que c'est pas toujours évident de se déplacer, mais c'est ça, ça nous a fait vraiment plaisir. Puis on vous remercie infiniment pour le cadeau que vous nous avez envoyé.
Puis quand on va aller au Saint-Hubert, ben, on va penser à vous, puis on va manger à votre santé. Fait que c'est pas mal ça pour mon update. Je sais pas quand est-ce que je vais vlogger. En fait, semaine, on va peut-être aller à Québec, on ne sait pas encore, mais probablement que oui. Fait que c'est là-dessus, je vous dis bye bye, puis on se revoit bientôt.